Au niveau du filtre à air, donc quand vous l'enlevez, vous allez voir, le drôle de filtre à air, il est constitué de grilles. Donc on peut les enlever. Essayez une par une. Vous avez une grille, vous avez deux grilles, trois grilles, quatre grilles et la cinquième. Donc ce que je vous conseille, bah, c'est d'en enlever. Parce que c'est bien beau, mais il faut aussi laisser passer de l'air pour donner un peu de peps à la bécane. Donc sur les 5 grilles, clairement vous en enlevez deux. Donc vous enlevez les deux moyennes, vous laissez en premier la plus fine, en deuxième une plus grosse. Donc vous la remettez très simplement, hein, en mettant comme ça, et en troisième une plus fine. Voilà. Vous écrasez bien la grille aux extrémités. Et voilà, vous venez de débrider votre filtre à air. Ensuite, quand vous avez fait le filtre à air, ce que je vous conseille au niveau du capé d'air, c'est de ben, d'écarter un petit peu les ouvertures. Donc ça, vous le découpez, vous voyez, toute cette partie-là où c'est indiqué dès l'orto. Ça, vous enlevez ça, toute cette partie-là, vous devez la retirer, et là vous allez faire rentrer beaucoup plus d'air. Ce qui permettra, je vous dis, de mettre du peps à votre mobylette.